Salut à tous, c'est Théo Gamer et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le pack paranormal. Donc j'ai fait une construction 100% jeu de base avec seulement le kit d'objets paranormal qui est sorti le 26 janvier 2021. Donc du coup je pense que je vais faire un mini let's play dessus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Donc là j'ai décidé de faire un peu une maison hantée d'extérieur, mais à l'intérieur on sent que c'est joyeux, on aime vivre quoi, on sent qu'on est heureux quand on rentre dans la maison, il y a plein de couleurs, voilà. Donc cette maison peut contenir un couple et un enfant, donc j'ai bien sûr créé la famille que vous verrez dans un prochain épisode. Je vous ai pas montré comment j'allais faire les murs d'extérieur avec... les terrasses, tout ça, parce que je trouve que c'est un peu ennuyant et puis je vois pas l'intérêt à le mettre dans la vidéo. Vous êtes plus là pour le pack, pour le kit d'objets pardon, que pour la construction des murs extérieurs. De toute façon vous les verrez à la fin dans les screenshots et puis voilà. Donc ce kit d'objets coûte 10€ et sur Instant Gaming il coûte 8,89€, quelque chose comme ça. Donc je vous ai mis un lien dans la description d'Instant Gaming pour que vous puissiez y aller. Si vous achetez grâce à mon lien, vous m'offrez quelques centimes et donc du coup ça se met sur ma cagnotte d'Insta Gaming, donc ce serait plutôt cool. Donc je vous conseille d'aller acheter sur Insta Gaming plutôt que sur les Sims car il coûte moins cher. Du coup moi je vais vous laisser là et je vous dis à tout à l'heure à la fin de la vidéo. Bon visionnage!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Du coup, voilà les screenshots. Donc, j'espère que la construction vous aura plu. Bien sûr, je vous afficherai à l'écran mon idée origine pour que vous puissiez la retrouver. Donc, c'est vraiment dans le thème bleu et jaune, comme vous avez pu l'apercevoir. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un maximum de likes et à vous abonner, car ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! C'était TheoGamer.